Eh bien, je m'aperçois que c'est vrai. Pour se perfectionner en anatomie, ils empruntèrent des livres au docteur Vaucorbeil et prirent en note des exemples de curiosités extraordinaires. Écoute ça. Il y a un Piémontais qui n'allait à la selle que tous les 20 jours. Et la ville d'Angoulême a eu un maire dont le nez pesait 3 livres. Oh non. Bigre. Quelquefois, il démontait complètement le mannequin et se trouvait embarrassé pour remettre en place les morceaux. Ils finirent par s'enlacer. Si on le remettait dans la boîte. Excellente idée. De toute façon, il était coupé arbitrairement. Si ça se trouve, tout est faux. Hein. J'en connais un qui va être content. Qui donc ? Pas le docteur. Ah. Il va nous dire, mes pauvres amis, pour vous, ces études sont trop rudes. Oh, peut-être que la science lui appartient. Tu sais ce que nous devrions faire ? Nous devrions apprendre la physiologie du corps humain. Mais t'as raison. Car tout repose là-dessus. Ils se lancèrent dans la physiologie expérimentale. Ils mangeaient très lentement et suivaient par la pensée le bol alimentaire jusque dans leurs entrailles. Et même au-delà. On les vit courir à l'ardeur du soleil, revêtus d'habits mouillés, pour vérifier si la soif s'apaise en appliquant de l'eau sur l'épiderme. Ils rentrèrent haletants et tous deux avec un rhume. Ils essayèrent de vérifier si le poids d'un homme décroît à chaque minute par dégagement d'une vapeur subtile. Ils voulurent savoir si la chaleur animale se développe par les contractions musculaires. Agite tes muscles pelviens. Oh, je ne fais que ça. Agite tes pectoraux. Oh, c'est froid, décidément. Ça chauffe pas non plus. Oh, je me remue pourtant. Pas assez. Ça va? J'avais pensé lui injecter du phosphore, mais maintenant je penche plutôt pour l'aimantation de l'acier par le contact de la moelle épinière. C'est plus radical. Parfait. Allons-y. Ils firent des expériences sur un chien, sur des pigeons, sur des petits chats. Elles échouèrent toutes. La physiologie les décevait. On ne pouvait vraiment rien savoir de précis, pas même quelle est la force du cœur. Ils vécurent un mois dans le désœuvrement. Ils étudièrent l'audition, la phonation, la vision. Quand ils en vinrent à la génération, Pécuchet dut avouer à son ami qu'il possédait encore sa virginité. Un colporteur leur vendit le manuel de la santé par François Raspail. Enthousiasmés, ils commandèrent plusieurs grands ouvrages de médecine. Ils apprirent d'abord que toutes les maladies viennent des vers et qu'il faut les soigner par le camphre. Madame Bordin avait une tache bizarre sur la joue. Ils proposèrent de la soigner à leur manière. Elle accepta à condition d'être soignée par Bouvard. En un mois, elle était guérie. En
Hardis par ce succès, ils se lancèrent sérieusement dans la médecine et sous prétexte de philanthropie, commencèrent à visiter des malades. C'est le médecin qui vous a prescrit ça ? C'est le médecin ? Hein ? C'est extraordinaire que ce qui est un calmant pour l'un puisse être un excitant pour l'autre. Et qu'un vomitif soit aussi un purgatif. Aide-moi. Tu entends quelque chose ? La situation sanitaire de ce département est intolérable. Il faudrait écrire au roi pour que soit créé ici un institut de garde-malade. À mon avis, cette femme est trop chaude. Elle doit nous faire une méningite. Hein. Oui, c'est possible. Il faudrait essayer de contrecarrer la phlegmasie. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous fichez là ? Pour la balance, c'est pour la rafraîchir. C'est excellent contre la méningite. Vous allez foutre la balance ! N'ayez pas peur, c'est un peu froid. Mais ça n'est pas douloureux. Mais c'est très utile. C'est bien ce qu'on me disait, mais je ne voulais pas le croire. Mais aussi vous céder à cette mode abominable. Non, ce n'est pas une mode. C'est une nécessité thérapeutique. L'obscurantisme n'est pas mort, François. Donnez-moi ça. Ah, oh, mais comment non, donnez-moi ça. Voilà. Encore. Oh, ah, ah, ah. C'est bien. Quoi, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est... Mais c'est un véritable meurtre. Pourquoi ? Pourquoi ? Il a voulu perforer l'intestin. Monsieur, la fièvre typhoïde est une altération de sa membrane folliculaire. Pas toujours. Mais si, toujours. C'est pourquoi j'éloigne tout ce qui peut surexciter. La diète affaiblit le principe vital. Qu'est-ce que vous me chantez, là, avec votre principe vital ? Comment est-il ? Qui l'a vu ? Alors, vous êtes un empirique. Nullement, mais en observant le malade... Monsieur l'observe mal. Lequel de nous deux choisissez-vous comme médecin ? Très bien. Puisque vous balancez entre un homme nanti d'un diplôme. Pourquoi riez-vous ? Parce qu'un diplôme n'est pas un argument. Nous le verrons devant les tribunaux. Faites-vous tuer par ce monsieur, si vous voulez. Mais ne m'appelez jamais plus. Qu'est-ce qui va pas, François ? J'ai prescrit au maire des pilules d'aloès. Il prétend que ça lui a donné des hémorroïdes. Il menace de dommages et intérêts. Et moi, vos corbeilles veulent me faire un procès. Ah, c'est bien difficile d'aider les gens. Hein. Eh oui, mais dans le fond, les ressorts de la vie nous sont cachés. On ne trouve dans aucun auteur une définition convenable de la santé ou de la maladie. Moi, j'en viens à me croire malade. Toute la journée, je me demande, est-ce que j'ai des douleurs ? Et je finis par en avoir. C'est bien simple, je sais plus quoi manger. D'après notre manuel d'hygiène, toutes les viandes ont des inconvénients. Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine. Bon, les légumes donne des aigreurs, le macaroni provoque le rêve, les fromages, bon, on dit qu'ils sont d'une digestion difficile, moi je sais plus quoi manger. J'ai même lu qu'un verre d'eau pris le matin peut être dangereux. Oui, quant au café, ça, oh, on n'en parle pas. Et le chocolat, il n'y a rien de plus indigeste. Oui, bon, le thé peut-être. Bon, sauf pour les personnes nerveuses et moi en ce moment. Hein. Enfin, moi depuis une semaine, j'ai des brûlures d'estomac, c'est terrible. Et des migraines terribles, hein, terribles. Oh. Et pourtant, j'ai lu dans le Becquerel que le porc est un bon aliment, que le tabac est innocent, et que le café est indispensable aux militaires. Dans le fond, l'hygiène, c'est peut-être de la bague. Allez, on finit la bouteille.